Alors cette fois-ci, nous voici sur le trou numéro 5 des étangs. Alors c'est marrant, il n'y a pas de nom. C'est un par 4 et vous noterez quand même que c'est handicap 2. C'est le trou le plus dur. 370 mètres. Ça va être un dogleg. Et voilà, le trou visuellement va donner ça. En face, vous avez les bunkers et le virage qui se trouve derrière. Vous avez de la flotte devant, de la flotte derrière. C'est peut-être ce qui explique la difficulté de ce trou. Le but, c'est de passer l'eau et de ne surtout pas s'égarer. Sur la droite, puisqu'à droite il y a la flotte. Brosser la balle, une spéciale dédicace à Johan. Hop là. Elle est pas mal tant qu'elle reste. Elle reste en jeu, c'est bon, sauf que je vais pas avoir l'ouverture moi. Je vais être collé aux arbres. C'est pas marrant. Elle est pas mal. Allez Jean-Mi, à toi. Le sol est gelé, oui. Ouais, toujours ton petit fade. Et toi, tu vas être sur la gauche du parcours, ce qui va te donner toute l'ouverture. Ah bah, elle est bien celle-là. Super. Bon, il est content de lui. Je suis content de lui. Nous sommes contents. Tout ça, le plaisir du golf, c'est de jouer en partenaire. Pas contre son partenaire, avec son partenaire. Allez, c'est parti, mon ami. Zou sur nos balles. Alors ça y est, on repasse au soleil. Regardez cette météo. Comme c'est joli pour un mois de février. Et le green est tout là-bas. Oui, pas encore là. Là-bas. Et bah là, tu vas sortir un petit fer 7. Un hybride. Alors le terrain est en fait une descente à gauche-droite. Il faut vraiment aller s'aligner à gauche. Ouf. Pas la plus belle. Allez. La mienne, j'étais sur la droite. Je suis bien sur l'alignement du bunker et redescend un peu sur le terrain. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en fait en train de redescendre. Et je vais être pas trop mal placé. Une approche cool. Petit Jean-Mi qui a raté son premier coup. Ça va être quoi ? Voilà, repasser en mode. Change de chapeau. Le rebond qui t'amène un petit peu sur la droite en bordure de fairway. Allez-vous ! Alors voilà, vous voyez tout le terrain qui est en pente. Moi j'étais en bordure tout à l'heure et je me suis aligné vraiment sur le bunker et ma balle est redescendue devant. Hop, ça roule, c'est rentré. C'est rentré sur le green. Ah, c'est ressorti. Ok. Sur la gauche.
la hauteur du drapeau, c'est la bonne nouvelle. Sauf que je me suis mis un cheveu trop à gauche. C'est dommage. Allez, voyons voir ce que ça donne. Et voilà. Belle approche. Pas mal ça, dis donc, joli. J'ai presque envie de te la donner direct. Je suis comme ça, moi. Allez. On n'oublie pas. Moi, c'est mon petit plaisir quand même de relever son pitch. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur le vocabulaire, relever son pitch, c'est réparer le trou. Ah 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 ah. Terre. Ah, la honte. La honte. Je suis pas au pote. Hein. Oh non, je suis pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Allez, vas-y, rentre là, fais honneur à Je vous emmène golfer. Je fais trois pattes. Allez hop, merci. Eh bien, chers amis, c'était Je vous emmène golfer à Blège, le trou numéro 5. Le handicap 2, il n'est pas facile. Et comment gâcher un score? Ben, en faisant 3 putts. Donc 3 et 3, 6, ce qui me fait un double bogey. Mais j'ai eu plaisir à vous présenter ce trou. Allez, si on enchaînait au trou numéro 6, il est intéressant le 6. C'est parti!